Et qui d'autre que les bébés, la chanson Snob. Venez vous asseoir, alors vous êtes un petit peu vieux pour vous énerver de même. Venez vous asseoir. Aïe, 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 venez me rejoindre un petit peu. Comment ça va? Vous êtes vraiment des gars en forme. Malgré la canne, malgré tout, vous y allez au toast. Mais oui. Là, vous n'êtes pas en spectacle du tout. Là, vous êtes en tournée de promotion de votre disque. Oui, c'est ça. On n'arrête pas, on fait beaucoup d'entrevues, télé, radio. C'est quelque chose qui vous fatigue, si vous aimez ça, faire ça? On aime ça. Vous aimez ça? Mais c'est fatigant un petit peu. Bon, ça y est. Mais ça non, c'est une belle fatigue quand même. C'est une belle fatigue. Vous commencez vos shows quand? On commence en février. On a un segment de 40 spectacles en 60 jours. Donc, c'est beaucoup de spectacles. C'est le premier segment.
toujours. En avoir d'autres. Mais ça, c'est le premier segment, donc on va avoir une centaine de spectacles dans l'année. Combien vous avez fait de shows jusqu'à maintenant? Que, oui, le premier album, la première tournée, on a donné 120 spectacles. 120 shows? Ouais. Toujours tous les trois, il n'y a personne qui vous remplace de temps en temps quand vous ne venez pas, là, je présume. Non, non. Vous êtes tout le temps là, tous les trois. Là, le disque va bien, il y a déjà 50 000 disques qui sont presque vendus. Oui, on en a vendu 40 000. Là, vous n'allez pas dans les magasins, chacun va tout vendre les magasins, je présume. Vous êtes des gars organisés que ça. Là, comment vous fonctionnez ensemble? Est-ce que vous êtes trois gars patients? Est-ce que travailler en équipe, c'est pas évident? Non, c'est pas évident. La patience, je pense que moi, j'ai cette qualité-là. Ouais. C'est lui le plus patient des trois? Vous d'accord? Oui, oui. Ouais. Moi, je suis pas très... Non, moi, je suis pas patient du tout. Pas de... ça fait pas quand même... Ça reste que t'es là, finalement. C'est grâce à toi, finalement, si les gens... Il y a pas de patience. Qui a le plus du sens de l'humour? Je dirais François, mais on a les trois. Lui, tu sais que le sens de l'humour, c'est un peu la patience. Je dis ça, grâce à ça, tu peux réussir à... Ouais, mais c'est ça qui me sauve des fois. Qui te sauve des fois. Là, le succès, est-ce que c'est difficile à vivre ou c'est, ça se vit bien, puis vous êtes reconnu partout, les gens s'arrachent vos vêtements, il reste juste, regardez ça, les pantalons, ils sont déchirés déjà. Est-ce que c'est difficile de dealer avec ça? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais quand on pense à une carrière, il y a des carrières qui commencent, ça fait longtemps que vous travaillez là, pour y arriver. Oui. Là. Donc là, vous êtes rendu, c'est quasiment l'apothéose, parce que tout le monde vous aime. Vous avez fait une démarche en France l'an passé, je pense. Est-ce que vous sentez que c'est le plafond ou vous pouvez aller encore plus, aller non, plus loin que ça? Plafond. Pas de plafond. Toute la francophonie mondiale. Quoi. Voilà, c'est humble. Alors, mais vous allez réussir, vous avez trop de fun, c'est évident. Ben, c'est ça. La carrière commence, là, tu sais. Voilà, merci bébé. J'ai hâte de voir dans 20 ans. On s'en reparle. Ça paraît qu'un peu de gris. Ah oui, c'est ça. Les pépés. Restez avec nous après la pause. Top Musique se poursuit.